Autant au début il y avait quelque chose de plus pas forcément léger, mais quelque chose de plus exubérant, plus sur la couleur, qui pouvait se rapprocher ouais, le propos peut-être était plus léger, quoi. Une actualité peut déclencher par exemple, cette série sur où j'ai associé donc ces têtes d'animaux, de hyènes avec cette matière d'étoiles, mais qui peut faire passer aussi à quelque chose d'univers, l'univers. Et en même temps, ces corps dessinés au fusain. Mais en même temps, si j'ai choisi de le fusain, c'est peut-être c'est un moyen qui est assez ancestral, quoi. C'est-à-dire on retrouve les hommes préhistoriques utiliser le charbon, enfin le bois brûlé pour dessiner. Donc il y a quelque chose de sauvage aussi, fait de sauvage, d'assez primaire. Dans l'utilisation de ce matériau, quoi. Et donc est venue à partir de là l'envie d'utiliser l'argile. Face à ces tableaux, je pouvais imaginer des têtes, une foule comme ça fait en argile, quoi, des portraits. Donc les premières têtes en argile étaient très figuratives, quoi, assez soulignées, quoi, dans l'expression. Et puis je me suis amusé à faire des têtes un peu plus très simples, comme ça, avec juste deux repères comme ça, pour situer le regard. Le regard pouvait être exprimé juste par deux interventions comme ça, sur une boule d'argile. Et donc je pouvais exprimer un regard avec très peu de moyens. Commencé à faire une tête, et puis je trouvais ça intéressant d'en faire plusieurs.
et de les voir réunis. Donc il y a tous ces regards comme ça qui est assez humain, quoi, qui pourrait être une foule qui regarde ce panneau où l'humanité a le choix entre. Enfin, le choix. Il y a plusieurs choix, quoi, mais il y a le côté sauvage de ces animaux qui recherchent la nourriture, quoi, uniquement pour manger. Et donc le côté la représentation d'humain, quoi, a pas pas la même convoitise, la même avidité, puisque c'est le pouvoir, le territoire et l'argent.